Salut tout le monde, c'est Zelwix et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de Zelwix Craft. Alors dans l'épisode précédent, nous avions fait la découverte du donjon là-bas et ici. Nous avons aussi été miné dans la crevasse, et on s'est fait un petit abri de fortune et je vous ai expliqué un peu tout sur les modes que j'avais. Donc on va déjà faire cuire le poisson. Ici, ce que je vais faire, je peux faire quoi avec ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Je pense que je vais me faire un casque. Ouais, de toute façon, on va retrouver du fer, on va aller miner. Hop, voilà. Hop, je vais manger. Voilà, je vais faire cuire mon autre nourriture, voilà. Avec le cuir, je ne peux rien faire. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, essentiellement, ça va être du minage. Et non de l'exploration. Oh, un poulet. C'est les oiseaux, ils ont tué un oiseau. Non, c'est les chats, ils ont tué un oiseau et ça m'a donné du poulet. Bah merci, hein, les chats, continuez. Là-bas, il y a des vaches et un cheval. Donc je vais buter les vaches, mais pas le cheval. Le cheval, oh il est beau en plus, c'est un beau petit cheval. Je me suis pas trop renseigné sur le mode Mo Creatures, donc je sais pas quelle est la couleur de cheval la meilleure. On verra ça. Ensuite, ah des moutons, des cisailles, vite vite des cisailles. J'espère que je vais pouvoir passer la nuit bientôt. Parce que la nuit risque d'être assez dangereuse, avec étant donné que je suis en hard, hein, je ne vous dupe pas, voilà. Hop, étant donné que je suis en hard, ça risque d'être assez chaud. Voilà, donc on prend les côtelettes, on fait cuire le poulet, on prend deux de fer, et on prend... On fait une cisaille, excusez-moi. Voilà, donc la cisaille est faite. On va tout de suite aller chercher le mouton. J'espère qu'il va me donner 3 laines. Ce serait vraiment génial. Voilà. Hop. Ah, il m'en a donné qu'un. J'aurais pu le buter. Allez, mange le mouton, mange. Allez, mange. Ah, un autre mouton. Deux. Oh, c'est bon, j'ai un lit. J'ai un lit, les amis, c'est parfait. J'ai un lit. Lui, il a mangé. Voilà, merci pour tes 3 laines. Voilà, donc là, j'ai un lit. Je peux même en faire 2, mais bon, je vais pas en faire 2, ça sert à rien. Voilà. Dépêche-toi de pousser la canne à sucre, j'aurais besoin vite... J'aurais bien vite besoin d'un livre. Pour me faire la crafting table, non, le craft guide, pardon. Je vais manger du poulet. Et on va partir miner. Donc toi, j'ai pas besoin de toi. On va surtout se faire un lit. On va se faire un lit noir, tiens. Hop, hop, voilà. Alors, du bois en dessous. Et de la laine au-dessus. Ça me fait un lit. On va le mettre ici. Voilà. C'est parfait. On va faire cuire le reste des côtelettes. Et on va aller partir miner. Donc voilà. Je referme parce que... On sait jamais. S'il fait nuit pendant que je mine. Et qu'il y a un mob, genre un creeper qui arrive. Je suis dans la mouise. Mes torches et mes côtelettes. Voilà. Donc cette petite aventure, enfin cette grande aventure surtout, parce que c'est mon aventure principale, déjà commence bien, c'est parfait. Il me faudrait juste un peu de charbon et de fer, parce que là j'en ai pas. Donc on va enlever toute cette terre là parce qu'elle m'énerve. Voilà. Et ici on va reboucher ce trou parce que c'est un trou con. Comme vous le savez,
comme vous me connaissez plutôt. Voilà. Oh, du charbon. Putain, c'était pas une grotte ici. Donc, je ne pourrais pas... aujourd'hui, enfin, dans cette pièce, je n'ai pas regardé vos commentaires, étant donné que je filme... je filme les deux épisodes de suite, donc je ne pourrai pas répondre à vos commentaires vu que la vidéo 1 n'est pas postée encore. Allez, je prends le charbon. Ça c'est bueno. Hop. Et voilà. Hop là. Donc ici, il y aurait une grotte, a priori. Avec du fer. Là, c'est la crevasse. Avec du charbon. Oula, je failli tomber. Hop, et voilà. Alors avec le fer, je me ferai une armure. J'ai plus de pioche. Je vais m'en refaire une tout de suite. Je me fais un atelier. Hop. Voilà. Alors, on va se faire deux pioches en pierre. Voilà. Et quelques torches en plus. Hop. Et voilà. Alors, on va se diriger là-bas pour récupérer le charbon. Et là, il y a encore du fer ici dans la crevasse. Hop. Oh, il y a de l'eau. Ok. On bouche. Hop. Voilà. Je mets une petite torche. Et je mine le charbon. On a aussi avec Wizardcraft ou un autre mode, je me rappelle plus, je pense que c'est Wizardcraft plutôt. On a, il est rajouté un nouveau minerai, ça s'appelle la Tovlite Dust et de l'Ezralite. Oh, un creeper jaune. Je sais pas ce qu'il fait encore. Comme vous pouvez constater, je ne connais pas trop les mods, hein. Je les ai juste installés pour leur description. Parce que c'était ce que je voulais. Et donc je suis pas trop au courant de ce que les mods font. Sauf Butterfly. Butterfly, je m'y connais quand même. Butterfly. Je l'aime bien ce mod. Alors, ici... on a un creeper, soit de terre, soit orange. Je sais pas, je vois pas bien. Là, on a encore du charbon. Bah, je vais descendre par de l... non. Ouais, si. Je remonterai comme... voilà, je vais dire. Ici, c'est là la sortie. Voilà. Hop. Je prends le charbon parce que c'est presque le matériel qui va plus nous servir. Parce qu'on a un objectif, c'est de créer tous les bâtons magiciens de Wizardcraft avec l'amélioration au max. Et il faut savoir que pour le bâton de feu et le bâton de magma, il faut du charbon. Voilà. Elle m'a l'air sympa, cette petite grotte. Enfin, cette crevasse plutôt. Oh, deux crevasses qui se relient entre elles. Oh, mais elle est vraiment magnifique, cette map. Hein. Oh, elle me fait peur, lui. Non. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Normalement, il est mort si je le frappe. Et voilà, il a explosé. Ça, c'est Mob Dismemberment. Mob Dismemberment. Voilà. Alors, on va tout de suite faire un pont. Ah! Allez, monte! Voilà, les dieux. Alors, on va récupérer le charbon là-bas.
J'ai combien de fer? J'en ai 12. C'est malheureusement pas assez. Donc je pense qu'on va passer près la majorité, la grande partie de cet épisode sera consacrée au minage, hein, parce que c'est comme ça dans toutes les séries en solo Minecraft. On n'a pas le choix. Ouais, je récupérais le fer. Ah bah là on a de l'ésralite. Je pense que c'est de l'ésralite. On va savoir ça tout de suite. On va tout de suite aussi le récupérer. Parce que ça va nous servir soit pour réparer nos armes et objets. Donc c'est pas Wizardcraft. Je pense que c'est plutôt Sword Plus. Je sais plus. J'ai combien de charbon? J'en ai 28. C'est largement pas assez. Donc on continue. Merci la voiture qui passe. J'espère que vous ne l'avez pas entendue. On va mettre une petite torche. On y va. Ah oui, vous avez pu remarquer aussi que je ne joue pas avec le Zelux Pack. Parce que tous les minerais et tout ça, ils sont pas. C'est pas avec le Zelux Pack, donc c'est pas. Ce sera pas très beau. Si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Hop. Là-bas, il y avait du fer. Oui, c'est là-bas. Je ne dis pas de bêtises. Ah, j'aime pas ces bruits comme ça, moi. Ça me fait peur. Je pense que c'est le but, hein, mais bon. Oh, un creeper blanc. Ah, c'est quoi ça? Ah, c'est de la tovelite. Hein. Je croyais que c'était de l'émeraude, hein, mais non. On n'est pas en 1.3.1 et donc c'est impossible que ce soit de l'émeraude. Donc c'est soit de la tovelite, soit de l'ésralite. On va voir ça tout de suite. C'est ici. Et ça brille en plus. Alors, c'est un bloc de tovelite. Je me suis pas trompé, si vous. Ah oui, d'ailleurs, je devais ramasser l'ésralite. Je sais plus du tout où il est. C'est quoi ça? C'est de la redstone ou de l'ésralite? Là, dans l'eau. Je sais pas si vous le voyez, hein, mais bon, moi je le vois. Et donc, je me pose la question. Ici, un creeper noir. Hop. Voilà. Alors, ici. Ok. Donc, on va récupérer les ésralites en descendant par la source. Hop, voilà. Oh, bah, il y en a plein en plus. Ah, il m'a fait drôlement peur celui-là. Je croyais que c'était un poulpe au départ, mais non, pas du tout. Il y a encore de l'ésarlite. Je sais, j'en ai oublié là-bas. Ne vous inquiétez pas, c'est juste que là, j'ai trouvé une grotte. Et quand on trouve une grotte dans une grotte, c'est infinissable après. Donc, ne vous en faites pas, on va pas faire toute la grotte. Hein. On va pas passer 5 épisodes dans les grottes non plus. À partir du moment où on a un peu de diamant, ça devrait le faire. Ah, voilà. Là, j'ai 26 de fer, mais je reprends quand même. Parce qu'on va s'en servir pour se faire de nouvelles armes avec Sword Plus. J'avais pas vu de la redstone, voilà. La redstone, ça va nous servir à faire de la poudre de magicien. Ouais, de la poudre de magicien pour faire les orbes et les bâtons de magicien, du coup. Encore de la tovelite. La tovelite, ça nous sert à réparer les armes, si je dis pas de bêtises. Ça veut dire que si je mets de l'ésralite, pardon, je me trompe, à côté d'une pioche. Non. Si je mets ça à côté d'une pioche. Oh, je sais plus, il faudra que je regarde dans le guide. Je récupère le charbon. À moins que ce soit des bugs que je ne peux pas crafter, que je sois obligé de passer par la craft table 3. Bon, on verra. Alors, ici, c'est tout.
Après, ouais, de l'ésarlite encore. Et du fer, mais le fer, je vais pas le récupérer parce qu'il est loin. Enfin, il est surtout dans la lave, quoi. Encore du fer. Hop, voilà. Inventory Twix m'a redonné ma pioche. 32, c'est... C'est pas assez, même si j'ai déjà le casque, c'est pas encore. Bah là j'en ai oublié un déjà. C'est pas encore ce que je voulais donc. Allez, on récupère la redstone. Tiens, là il y a encore une grotte, c'est pas possible. Hop. Ouais. J'ai pas l'air d'avoir grand chose. Ah, oui, c'est vrai, j'avais oublié cette azurite là. Déjà. J'espère qu'il n'y a pas de creeper. Ah, si, il y en a un. Faudrait vite que je me fasse un arc. Est-ce que j'ai gagné... Merde. Est-ce que j'ai gagné du fil? Ah oui, 4. Je peux me faire un arc. Oui. Bon, je vais remonter à la source. Et puis je vais remonter tout court, hein, d'ailleurs. Normalement, il doit bientôt plus faire nuit. Donc, à moins qu'il fasse plus nuit, j'en sais rien. Je vais remonter et on va, je vais faire une armure complète en fer. Et puis on va battre le donjon qu'il y avait dans la mer. Le bateau. Le bateau. Hop, allez, on remonte. Je sais pas par où c'est qu'on remonte. Par où on remonte? Ah oui, c'est vrai, j'étais monté d'une source. C'est là où qu'on remonte. Hop, 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 hop. Voilà. On va remonter avec de la cobble. Hop, ça détruit les torches. Je les récupère ou pas. Tant pis, c'est pas grave. Hop, hop, hop. Hop. Et... Ah, tête! J'ai failli tomber. C'est bon. Voilà, donc, on va récupérer... Non, on va pas récupérer la table de craft. On ira reminer un jour. Je suis désolée. Je sais pas par où c'est. C'est par là, étant donné qu'il y a plein de terre. On va monter par là. Hop. Bonjour. Bon, je vais te laisser vivre, toi. Ah oui, lui, les creepers jaunes, ça balance de la glowstone partout. Ça peut être vraiment très pratique. Pour avoir de la glowstone sans aller dans le nether. Oh, un beau papillon. Donc sans aller dans le nether, ça peut être pratique. Ah oui, aussi, pour ceux qui vont me demander que je donne mon Minecraft.jar, laissez tomber, je n'ai pas le droit de donner le Minecraft.jar parce que c'est comme si je vous donnais le jeu Minecraft. Et donc, c'est interdit par la loi. Ici, il y a des cochons... Et ma canne à sucre a poussé. Ah, c'est cool, je vais me faire le guide. Il me faut un livre, c'est-à-dire 3 cannes à sucre. Donc je peux replanter une canne à sucre. Voilà, tout de suite, je la replante sur le sable. Hein, parce qu'on m'a dit que c'était... Ça poussait plus vite sur le sable. Donc voilà, donc je vais manger un coup. Voilà, je me fais le livre, une armure... Voilà, une armure, hop, 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 et hop, voilà. Alors, on va se faire déjà le livre. Alors, le livre, c'est comme ça, parce que je suis pas en 1.1, donc, il n'y a pas besoin de cuir, ça c'est bien. Même si j'en avais, hein, voilà. J'aurais pu récupérer la table de craft, en fait. Hop, et donc voilà, vous voyez les bugs de graphisme. C'est pas grave, hein, vu que la table marche. On va la poser ici. Voilà, donc avec tout ça, je peux me faire ça. Et donc ça, c'est un iron helmet. Ah oui, parce qu'il est cassé. Donc je peux me faire... ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Je peux me refaire une nouvelle pioche. Pas cassée. Grâce à la tovelite. Ou à l'ezerlite, hein, j'en sais rien du tout. Bon... bah c'est parfait. Ici c'est les butterfly...
Voilà, vous voyez, tout ce qui est butterfly, ça bug, hein. Ça fait des disques, mais quand on les a dans la main, c'est bien. Ne vous en faites pas, ça marche. Tout est testé. Ne vous en faites pas. Voilà, je récupère ça. Je me fais tout de suite un pantalon. Voilà. Je m'habille un peu. Mais c'est pas le craft guide, ça, en fait. Le craft guide, comment il se craft? Bonne question. J'irai voir sur le net. Alors, on va se faire les pieds maintenant. Et puis après, pour la fin, on ira se vaincre le donjon, le bateau, le petit bateau. Parce que le gros donjon, il m'a l'air gros et dur. Je vais voir si ça marche via la table. Iron Boots. Ouais, ça marche. Parfait. Bon, ben, il n'y a plus que le torse. En attendant, on va voir ce qui se passe. Hey! C'est qui me tuerait, hein? Oh, un poulet. Enfin, un poulet, un oiseau plutôt. Bon. Avec le charbon et le fer, on va aussi pouvoir se faire peut-être notre premier bâton. Faut-il toujours que je sache comment on craft la table d'enchantement du magicien? Allez, il m'en faut encore 4. Ça, c'est quoi? Qu'est-ce ça? Iron Helmet, oui, mais non, mais je m'en fous. Le bâton du magicien, enfin, ça, c'est la poignée. Ok. Vraiment pratique cette table. Allez, encore une et c'est bon, je vais partir à l'aventure. J'espère qu'il y a des bons trucs dans les coffres. Genre du diamant et tout ça, comme ça j'aurai pas besoin d'aller miner. Allez, hop, voilà, je suis parée, je suis équipée. Hop. Je vais dans le donjon, dans la mer. J'espère pouvoir y revenir un jour. Enfin, ici, quoi. Voilà, je le tue à la place du chat parce que sinon, c'est cruel. C'est d'autant plus cruel que je le tue moi-même, hein, mais c'est pas grave. Allez, on y va. Hop. Le voilà, ce petit donjon. Et je pense, franchement, je vous dis que j'ai de la chance là, en ce moment parce que. Parce que j'ai de la chance, parce que deux donjons en même temps, vous voyez, c'est rare. Parce que moi, hier, quand j'ai fait une map en créatif pour voir si tout fonctionnait correctement, Better Donjon, j'ai mis une demi-heure avant d'en trouver un donjon, hein. Bon. Je vais passer par le lac aux requins ou pas. On entend des mouettes avec Matmos, hein, comme vous pouvez le voir. Et là, on entend des dauphins. Ou des raies, je sais pas si ça fait du bruit les raies, mais c'est pas grave. Hop, allez, on se dépêche. Hein. Je voudrais terminer ce donjon. Hop, hop. Avant la fin de l'épisode, même si normalement il devrait rester plus que 2 minutes. Même pas. Allez, je tourne. Je fais ça en fait pour pas que les requins me bouffent. Parce que les requins, c'est vraiment. Ça fait vraiment mal. Hop, hop, hop. Je suis presque là normalement. Ouais. J'espère qu'il n'y a personne. S'il n'y a personne, c'est vraiment mon jour de chance. Parce que normalement, il y a toujours quelqu'un. Je sais pas si c'est possible qu'il n'y ait personne. Alors, allons-y. On fait un escalier. Alors. Bah ça, je vais le voir le casser à la main. Et ça, je peux le casser à la pioche. Hop là. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je vois plus rien? C'est des pirates, ça? Ça me donne de l'or, en tout cas. Des gold nuggets. Ah, ça me fait vraiment peur. Hein. Surtout que c'est devenu noir. Et surtout qu'il y a presque personne, en fait. Bizarre.
Il n'y a même pas de coffre. Il n'y a vraiment personne, quoi. Il n'y a pas de coffre. Vous êtes sérieux, là? Bon, bah, en fait, c'est tout. Voilà, on a fini le donjon. Ah là là, quelle misère. Bon, je vais détruire ça parce que... Parce que c'est vraiment moche. Et surtout que je vais bientôt habiter là, donc... Enfin, les courants, c'est pas grave, hein, vu que... Vu qu'on va pas les voir. Hop. Allez, on se dépêche. Je récupère pas la cobble, hein, c'est pas trop grave. Donc, les amis, merci d'avoir regardé. Ouah, c'est quoi ça? Une raie géante. Une raie manta. Oh. Donc, merci d'avoir regardé ce premier épisode. Ce deuxième épisode de Zeluxcraft. Dégage la méduse. On se retrouve pour l'épisode 3 bientôt. Hein. Donc là, je pourrais lire vos commentaires parce que l'épisode 3, je tourne pas en même temps que l'épisode 1 et l'épisode 2. N'hésitez pas à partager la série, à parler autour de vous, de moi, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc moi, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo. T'as un problème, toi, le squelette? Donc, merci encore une fois d'avoir regardé. Je joue avec la tête du squelette et je vous dis au revoir. Oh, je voulais encore jouer, voilà. Et là, il y a un requin, donc je le bute. Oh. Bon, voilà, les amis. Allez, encore une fois, merci d'avoir regardé la vidéo. Et à très très bientôt.